Hello les amis, j'espère que ça va. Il y en a un qui saute à côté, lui par contre il n'a pas de problème, il est content. Il a eu son fouet, il est content. Dites-moi, j'ai pas trop le temps de vous filmer aujourd'hui, j'ai pas eu le temps hier. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la volonté hier, c'est pas la même chose. Je me suis couchée à 2h30 du matin et je me suis pas endormie avant 3h, 3h15, donc j'étais un petit peu naze. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous filmer donc un maquillage que je vais utiliser pour ce soir, parce que ce soir je vais avec les copines à l'apéro du village, et après il y a le tirage du feu d'artifice. Donc on va essayer de faire ça. Alors inutile de vous dire que ces jours-ci, vu que je dors peu, j'ai une tête de déterré. On va essayer à peu près d'arranger ça. Donc maquillage en 10 minutes à peu près, hein, voilà. Ça va être chaotique. Allez, ça va partir. Ça fait plus d'une minute. Bon, allez, on va essayer. Allez, hop, c'est parti. En 10 minutes, ça fera donc à peu près à 12 minutes la vidéo. Je devrais avoir fini de me maquiller. On verra ça. Donc, alors, je vais mettre le MSM. Oh, yaya. Ben, il fait bien bon chez nous. Alors, la panne, j'ai eu une panne de voiture l'autre fois. J'ai eu le gicleur d'essence qui s'est pété. J'ai la voiture qui pue essence. Et j'en ai eu pour 470€ de réparation. Ça fait mal au cucu. Hein? Oui, parce que ça devait être qu'un bout qui devait être changé. Et en fait, c'était tout le bloc qu'il a fallu changer. Parce que la casse était en haut du bloc et pas juste au niveau du gicleur. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. On va dire qu'on repart sur quelque chose de neuf. Surtout que ma voiture, même si elle est un petit peu vieille, elle a que 100 000 km. Donc je vais vous dire, je peux encore rouler. Hein. Voilà pour le fond de teint. Ensuite, vu que c'est un fond de teint qui est poudré, je ne vais pas poudrer. Je vais passer directement au blush. Alors, toujours mon petit bourgeois. J'utilise les produits du Project Pan. Comme ça, au moins, même si je ne vous note pas tout, c'est pas grave, vous les connaissez. De toute façon, je vous les montre au fur et à mesure. Si vous voulez quelque chose, vous me le demandez. Parce que là, je ne sais pas si j'aurai le temps de bien vous préparer la photo, la vidéo comme il faut. J'essaye. On verra bien. Bien sûr, je me mettrai à la fenêtre. C'est quick, la chaise. Bon, bah écoutez, mieux que ça fasse quick que prout. Mon Dieu, ce qu'on ne dit pas. Ensuite, on va mettre... Ouh, fait pas trop de bruit, cri. On va mettre le petit concealer sur les paupières pour les unifier un petit peu. Alors, je vais essayer de bombarder un peu, hein, parce que 10 minutes chez moi, c'est rare. Hein, parce que même quand je le fais pour moi à la maison, même que je fasse un maquillage tranquille ou quoi, je prends mes 20 minutes. Hein. Je m'occupe de moi. D'ailleurs, j'ai une idée de vidéo là, qui me vient d'un coup. Tiens, j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur les 5 petits trucs, les petits plaisirs que je me fais tous les jours. Pour que ça me fasse du bien. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, cette petite vidéo. Les 5 petits plaisirs quotidiens que j'ai, que je me fais. Voilà. C'est mes petits plaisirs indispensables du jour. Les petits moments qui me font du bien. Oui, de toute façon, je vous la ferai. Vous pouvez me le mettre en commentaire, mais non, c'est bon, je vous la ferai cette vidéo. Je trouve que ça peut être sympathique, ma foi. Bon, et puis on passe un moment ensemble. Ensuite, alors pour les yeux,
Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, vous savez, alors ce soir, je vais être habillée en couleur un peu froide. Alors, je vais utiliser cette petite palette. Je vais y aller comment? Je vais faire un creux, je vais tout balancer et puis je vais mettre un petit peu de clair sur le devant. Ouais, je vais faire ça. Aïe, 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 déjà je me trompe. Donc, le creux, ça tombe bien parce que j'ai pris la bonne couleur pour le pinceau. Impeccable. Le creux, je vais utiliser le petit beige. Beige rosé, c'est une espèce de oui, c'est rose, c'est rosé quand même. Je vais voir si je suis capable de me maquiller un petit peu plus vite. J'ai pas l'habitude de me maquiller vite, moi, vu que je suis tout seul à la maison, tranquille. Donc, ouais, j'ai pas l'habitude. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre cette couleur-là, un petit peu partout. Le mauve, là. Le plus foncé. Vous voyez celui-ci? J'ai peur que ça fasse un peu trop rose. S'il faut, après, je rectifierai avant de partir. Oh là là. Mais au moins, je vous fais le maquillage là que je vais avoir pour aujourd'hui. Et puis, si ça ne me plaît pas, je ferai une petite rectification. Mais là, je tente le truc en 10 minutes. C'est ma petite Marine qui l'a fait hier soir. Je suis passée la voir. C'est une jeune fille qui a l'âge de ma fille. Et. Ah oui, ça fait trop rose pour moi, ça. Ça fait trop rose. Il me faut quelque chose de plus foncé. Je vais mettre ça sur le côté. Le marron, là. Hop. On verra. Là, j'ai aucune idée déjà du temps que j'y ai passé. Je ne sais pas du tout. Je ne regarde pas. Je verrai que quand j'aurai fini, parce que ça va me faire perdre du temps. Je pense que ça devrait être dans les temps. Hop. Alors, c'est un maquillage qui fait un peu à l'arrache, comme vous voyez. J'essaie de faire ça vite. J'espère que je ne le raterai pas trop. Alors, on va un petit peu flouter tout ça. Je vais enlever le gros de la démarcation. Ah oui. Je ne pensais pas qu'il y en avait tant d'un coup là. Je vais enlever le gros de la démarcation. Alors attendez, mon truc là. Oh. Tu éternues mon chat. Je floute vite fait. Pour atténuer un peu. Et en fait, je ne me serais même pas servi de ce pinceau. Je l'avais sorti exprès, mais vous voyez, d'un côté, je l'ai pas. D'un côté, je ne m'en suis pas servi. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que avec le doigt, je vais mettre un petit peu d'argenté ici, là. Au faccio de nous. Ah, il marque le mec. Mais on va quand même voir le violet dessous.
Je fous un peu tout parce que je ne veux pas que ce soit trop intense. Je vais mettre un petit peu de rose clair ici. En fait, j'aurais utilisé pas mal de fard de la palette. Je vais voir un peu ce que ça donne. Ouais, pas entièrement convaincue, honnêtement. Mais bon, après, quand on essaie de faire vite. Ouh! Il me reste plus qu'une minute. On passe le mascara. Le rouge à lèvres. Et j'ai dit qu'il fallait que je m'arrête à 12 minutes. On va voir à combien je vais arrêter. Voilà. Je vais me brosser mes sourcils. Sans pour ça les faire trop parce que. Non. Je vais mettre le rouge à lèvres. Je vais mettre. Il n'y en a que 30 secondes. Le rouge à lèvres de chez H&M. Voilà. Pas convaincue, mais écoutez, voilà. Moi, mon maquillage est fait. Écoutez, on va enlever ça. Honnêtement, je ne suis pas très convaincue parce que je trouve que il n'est pas top le maquillage. On verra bien. Allez, on va à la fenêtre. Vous voyez? Oui. Vous me direz si ça va. Moi, je trouve que c'est pas nickel. Bon, après, on verra bien. En tout cas, j'ai essayé de relever un petit peu ce défi. C'est pas simple parce que vous voyez que je me suis un petit peu dépêchée. Mais écoutez, moi, je l'ai fait avec plaisir. Et puis, de toute façon, pour moi, le maquillage, c'est un amusement. Je vous souhaite le meilleur. Je vais vite monter la vidéo. Et puis, ben, écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je lirai vos commentaires ce soir en arrivant. Et puis, ben, écoutez, profitez bien. Si vous avez un feu d'artifice, éclatez-vous avec les petits ou les petits-enfants. Enfin, bon, voilà. Et puis, ben, écoutez, prenez bien, bien soin de vous surtout. Je vous fais des bisous. Ciao. Et bienvenue aux nouveaux abonnés.